Nous quittons maintenant le nord du département pour nous rendre à Alba-la-Romaine, à environ 1h30 de route. Un village, riche de 2000 ans d'histoire, situé au pied du massif du Coiron, dans une plaine où s'étendent des hectares de vignes. J'y retrouve Nicolas Riffard et sa compagne Léa, dans un cadre exceptionnel, sous un soleil généreux. Ce qu'il faut comprendre dans la vigne aussi, il ne faut pas confondre quantité et qualité. Sur certains cépages qu'on fait, comme du Viognier, on essaie de limiter à 30-35 hectares, ce qui est peu, mais après on a des résultats qui sont extraordinaires. Donc là on est vraiment sur une couleur or, mais avec des reflets argentés. C'est pas quelque chose de très soutenu, mais c'est quand même vraiment intéressant au niveau de la couleur. Et après on va passer directement au nez. Donc là, vraiment typique arôme de Viognier, c'est-à-dire abricot, pêche, une légère pointe d'acidité. Au niveau des accords mets et vins, on peut le marier avec un risotto aux asperges. Le côté un petit peu crémeux ira bien avec ce côté un peu frais qu'on a. Et des fromages de chèvre frais, c'est quand même la spécialité du secteur. On en trouve dans tout le département, donc il faut se faire plaisir. Il y a 9 personnes qui sont inscrites grâce à l'office de tourisme et donc la cave coopérative de Valvigny, on les a accueillis ce matin. Alors c'est vraiment un moment convivial, d'échange, de faire connaître aussi notre métier et puis surtout les vendanges. Et donc ce groupe de 9 personnes sont en train de vendanger. Donc on leur a donné les sécateurs, on leur a montré comment il fallait couper les raisins et ils sont en train de ramasser du Viognier qui fera une cuvée à la cave coopérative de Valvigny. Et ils ont l'air heureux de passer un temps avec nous. Et ils ont beaucoup de questions sur notre métier, sur nos savoir-faire, sur ce que nous faisons, sur les pratiques que nous avons dans les vignes. Et ils sont assez curieux, voire des fois même admiratifs. Et c'est ce qui, j'ai envie de dire, nous rapproche, ce type d'événement. Et derrière une bouteille, ils se disent qu'il y a un travail. Il y a aussi des vignerons, il y a des familles. Et donc c'est tout un terroir. Donc, c'est assez agréable d'échanger avec eux, qui viennent d'autres régions de France. Et c'est un bon moment de partage. Joël Moen, vous venez de participer à des vendanges pour le plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ben, c'est un plaisir, déjà. Exactement. Je pense que c'est quand même... c'est pratiquement dans les gènes. Je crois que les vendanges, c'est très terrible. On nous parle de Noé... etc. Et c'est vrai que c'est un moment festif où nous sommes devenus citadins
C'est vrai que voilà, si on n'a pas peur de se dépenser, plutôt que de courir sur un tapis roulant ou de lever de la fonte, venez ramasser des grains de raisin, hein, c'est très bien.